Ouais, Benjamin est au diapason, malgré les difficultés, il fait front, et il assume ses responsabilités. C'est un signe de maturité pour un jeune gardien. C'est lui qui vous maintient dans le match quand même à la mi-temps? Ouais, je pense que Lyon a laissé passer sa chance en première mi-temps avec 2-3 occasions de marquer. On le sait, dans un match, il faut profiter tout de suite. J'ai eu peur que nous aussi, nous le regrettions en deuxième mi-temps. On a eu quand même plusieurs balles aussi pour doubler le score. Heureusement, Lyon est parvenu sur la fin de la partie. C'est une forme de soulagement là quand même, Sylvain? En l'espace de 7 jours, vous prenez 6 points, vous décollez enfin, vous sortez de la zone rouge. Les voyants sont ouverts. Après, les choses sont fragiles, on le sait, parce qu'on n'a que 6 points. Donc, on a encore beaucoup de travail. Il va falloir continuer à mettre beaucoup d'énergie. Là, c'est le troisième match, c'est vrai qu'on l'a vu sur la première mi-temps. D'ailleurs, à ce sujet, je l'ai dit tout à l'heure, la responsabilité de la sortie de Benjamin quand on joue à la mi-temps, c'est de ma faute, puisqu'il a enchaîné son cinquième match en 15 jours avec la sélection. Et j'aurais dû sentir qu'il n'était pas en possibilité de répondre à mes attentes. Donc il a fait un match moyen comme ses coéquipiers, mais voilà, la responsabilité est la mienne.